ça chauffe, ça cuit jusqu'à sa taille. Voilà que le Lord Foja se réjouit de ce qui est en train de se passer entre Jean-Louis Messiaen et Compressor. Oui, pourquoi? Parce qu'il faut se rappeler, c'est le jour que Parm Messiaen a mis ses produits sur le marché et que Compressor n'a pas assisté à la cérémonie d'inauguration de ses produits avec la gluta. Maintenant, non, le Lord Foja remet sa sur Fleur Delis que, oh, ma yam sœur, oui, elle a mis le feu à Pouma. Que Fleur Delis a mis quoi à Pouma? Fleur Delis n'a rien fait. Cette affaire ne concerne pas Fleur. Lolo Foja, comme toujours dans la manipulation, elle veut cogner les têtes. Actuellement, elle met ça sur le nom de Fleur que, oh, oh, ma yam sœur, concerne la glutabos et Jean-Louis Messiaen et Compressor et l'abbé ça m'appelait que la gluta s'entendait très bien avec le couple Jean-Louis Messiaen. Soit peut-être ils ont eu à parler certaines choses sur Compressor quand elle partait là-bas. Que oh, ma petite sœur est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est que sur la gluta peut-être a dit. Voilà, donc Compressor aussi a gardé le macabre. Donc mon grand frère comme ça, il parle de moi. Il fait le sort sur moi. Voilà, donc le Lolo Foja met dans ça sur le nom de Flore. Jamais cette affaire ne concerne pas Flore. La personne qui a déclenché, l'élément déclencheur de cette affaire, c'est la gluta bossui. C'est sûr qu'elle a dit des choses à Compressor et Compressor en avait marre. En tout cas, la famille, on écoute la manipulation de Lolo Foja et on se reprend tout de suite pour le bon décryptage. Écoutons. Comme ma mère m'avait dit, le mal finit par le mal. Quel qu'en soit le temps que ça va prendre, ça va finir par éclater un jour. Le mal finit par le mal. J'ai les voix aussi de certaines personnes là sur la toile. Des messieurs sur la toile. J'ai leur voix. Mais jamais, je n'ai osé faire écouter ça. Lève la tête, comme ça, elle va riposter, comme ça, elle va venir faire que... Nous sommes les chefferies d'à côté. Nous allons venir au renfort. Vous avez compris? Nous sommes les chefferies d'à côté. Nous allons revenir, parce que moi-même, j'ai une chefferie, la chefferie de Lomania. Nous allons venir au renfort. C'est comme ça, le mal finit par le mal. Mais quand je dis qu'aujourd'hui, là, j'ai signé sur quelqu'un, jusqu'à ce que la terre va nous séparer, je ne vous pardonnerai jamais. Parce que vous êtes bien consciente que Lolo n'a jamais insulté cet homme. Je dis jamais, au grand jamais. On a demandé à cet homme devant le procureur à Interpol. J'ai dit même le procureur, monsieur le directeur d'Interpol. Il a dit, t'as insulté. Il a dit, oui, sors-moi les preuves. Jamais j'ai clashé quelqu'un quand il était sur un lit d'hôpital. C'est le mensonge. Le clash qui m'a fait connaître, c'est le clash avec ma yam sœur. En bas de l'immeuble de Bernard Montcamp. Personne ne m'a fait connaître parmi vous. Parce que quand il partait chez vous, je n'avais pas de team. Je n'avais pas de page. C'est ma Astico qui m'a dit, crée une page. On a entendu mon scandale sur la toile. C'était avec Flore Delisle. L'affaire de Bernard Montcamp. Et c'est là où les gens ont dit, waouh, voilà une femme qui peut tenir à cette fille-là. Arrêtez de raconter des conneries à tes balles. Le mal finit par le mal. Le père de la Suisse, tribaliste, voit le résultat du tribalisme. Voit le résultat de que c'est ma soeur du village. Moi, je ne regarde pas les soeurs, vous connaissez, vous appelez soeur du village, là. Je suis allé chercher la vie des Jaguars. Je suis allé fouiller dans son passé. J'ai fait intervenir tant quoi. Le père de son enfant. Pour nuire à sa vie. Parce qu'on est en train de te nuire. Mon merci, c'est quoi? Les waka, les bichobimotes, les déchets pour soutenir ta soeur du village. Elle t'a piqué aujourd'hui propre. Elle est là-bas, piqué propre. Je suis contente. C'est pas parce qu'elle devait partir son direct là. Je devais partir sa propre. Elle t'a piqué parce qu'elle est devenue abeille. Elle t'a piqué propre. Que n'appelle plus le nom de sa copine. J'espère que tu as bien compris. Que n'appelle plus le nom de sa copine. Mathieu Chopin, c'est une fille boulot. Mais je m'entends très bien avec Mathieu Pad. C'est peut-être parce qu'elle est bamédiquée, j'ai eu sur la bamédiquée, elle avait dit toujours la même chose. Oh, comme tu... Non, je vais dire stop. Je ne marchais pas dans ça, les affaires. Je ne marchais pas dans l'affaire là. Les filles qui pissent sur elle, les filles qui chient sur elle, les filles qui ont aussi, les bichons qui montent, les soca. J'ai dit, waouh, on peut être ingrat comme ça là. Ouais, mes frères. Reconnaissez au moins le bienfait de quelqu'un un jour dans la vie. Mayam, c'est en train de vous. Elle a mis le feu dans le village. Et je vais attirer. Ouais, maman, c'est bon en moi jusqu'à. Je l'envoie le champagne depuis la Suisse. C'est ça que je ne vais jamais tomber sur la toile. C'est ça que j'aurai toujours ma visibilité. Je suis plus tard que vous. Si elle vous lâche, on ne vous voit plus. Elle, je n'ai pas besoin. Vous êtes sept teams contre moi. Vous êtes sept teams. Vous êtes sept contre moi dans les réseaux sociaux. Une éducation de base, monsieur. Je me suis donné à fond pour salir un homme comme vous. Même moi, appelé jusqu'à Bijan Bimot. Vous m'avez insulté. Parce que vous avez soutenu votre soeur du village. Aujourd'hui, elle a dit que vous êtes tribaliste. Elle a dit en parabole que vous êtes tribaliste. Et que laissez sa copine tranquille. Sa copine Ingalafis, ça veut tout dire. Que vous n'aimez pas l'Ingalafis. N'utilisez plus son nom. Moi, mais vous dites ça, n'utilisez plus son nom. Quand vous voulez faire vos directs, faites vos directs de vous-même. N'appelez plus son nom à vos directs. On voit si vous êtes des stars. Ce n'est pas Dubaï ici. Dubaï est comment? Ce n'est pas Dubaï ici. Tu vois, c'est où? Tu n'es plus à Dubaï. Regarde-moi celle-là. Tu n'es plus à Dubaï. Regarde-moi ramener à Dubaï. Je suis à Dubaï. Tu veux voir quoi? Tu veux voir Dubaï? Tu n'es plus à Dubaï. Je suis à Dubaï. Tu es le Lomanyama. Hé, hey, maman. Comment j'ai pu faire? Comment j'ai pu me comporter comme ça?
Ouais, ma chérie, m'excuse, je me marche chez vous devant toi, pardon. Comment j'ai pu faire des choses comme ça? Moi, je suis quand même un poli, hein. Ouais, c'est pas bon ça, c'est pas cool, hein. Le mania. Ouais, oh, merci, oh là là, ma chérie, je te demande pardon, oh là là. C'est que l'incassala me dérange souvent. Oh, l'incassala ne venait plus ici. La même vérité qu'elle m'a envoyé, elle m'a dit, qui es-tu, maman? Ouh, ça attaque. Vous m'avez dit, maman, m'a mis le feu à poumon. Bipé, les dames, coco, ça crie. La fille là, mort, maman, tu as pris le tout aussi. Tu as fait fort. Non, je te soutiens. Celui qui lève la tête, qui parle fort à Mamboma, parmi vous là. Vous allez, nous sommes les chefferies d'à côté. Celui qui lève la tête pour parler fort à Mamboma, moi je prends sa part. Je vais la soutenir. Je vous le dis, je vous avertis. Celui qui tente seulement de parler fort à Mamboma, parmi vous là, vous êtes Tinda là. Vous allez rester Tinda. C'est comme ça. Celui qui va tenter de parler fort à ma yam soeur, je sors sur vous. Eh, regarde mon Dieu, tu dis quoi, Mamboma? Tu dis quoi? Tu dis quoi sur mon Dieu? Regarde, elle est là. Elle regarde, elle rit. Elle dit que maman, ma yam soeur, elle est en train de rire, elle est contente jusqu'à. Elle est là. Tu fais quoi dans mon direct? On peut faire ça, des amis. Elle est dans mon direct, elle est en train de rire. Elle regarde mon direct, que ma yamsel, c'est quand même venir gâter mon gombo. Elle est là. Elle rit jusqu'à. Elle est contente. Elle est contente, elle est en train de rire. Elle a de voir le chat. Elle va danser, elle va faire le direct. Elle va danser, elle va dire que ça. Elle va comprendre que ma copine de la gala, c'est. Non, franchement, c'est. Ouf! Elle est là. Maman, quand je dis que Sidi qui a fait fort, que Sidi qui a encore secoué la bouteille, tu ne vas pas me prendre dans ça. Ton Sidi, là, maman, il a été fort que tu n'as pas. Moi, c'est l'ancien succès. Malgré tout ce qu'elle me fait là, je n'ai pas le courage de mettre ça parce que je pensais qu'un jour, j'ai quand même ri avec. Un jour, moi, elle a dit qu'elle ne va même pas prendre même 10 euros à West Union. Tu achètes un petit truc à Luz Gloria. C'est seulement pour ça. Je suis bloqué. Je dis, je ne peux pas faire ça à cette femme-là. Même s'il y a quoi, je me fais parler à ma bouche, mais pas mettre les voices. Je ne vais pas faire comme elle. Elle est ignorante. Elle est une personne comme ça. Vous chamaillez pour une personne, pour l'enfant d'autrui. C'est quelle famille qui aime la même femme? Je te dis que ce que c'est allé, c'est grave. Ça ne nous intéresse pas. Jean-Jésus, où elle a bien reçu le papa des jumelles, où elle n'a pas bien reçu l'autre. C'est la guerre qu'elle a créée entre ces gens-là. C'est elle qui l'accuse. Ce n'est pas elle qui a créé cette guerre. C'est Gruta qui a créé la guerre parce qu'elle est venue avec l'argent. L'argent, c'est pas les familles. Je vais vous dire quelque chose. Dans la vie, la loyauté, c'est quelque chose. Ça que tu vois, moi, je ne coupe pas dans la vie. Hein. Je n'envie pas les gens. Et je suis très loyal en amitié. J'ai les femmes ici qui m'ont créé. Elles viennent sur mon inbox. Lolo, je vais faire la publicité de mon salon esthétique. Je refuse de prendre la publicité des salons esthétiques parce que ma soeur, à moi, ma soeur, elle a un salon d'esthétique. Je me dis que si je prends l'argent, je fais la pub de quelqu'un d'autre. Non, elle me paye. On n'a pas un contrat. On n'a rien. Je le fais comme ça parce que c'est ma soeur. Et on s'entend bien. Tu étais plus bas que terre. Tu étais humilié, sali, rabaissé. Comme j'ai un cœur. Je suis une personne qui est humble. Je me soucie beaucoup des gens. À l'époque, c'est pas aujourd'hui que je regarde les gens, je passe. Je suis venu comme un sapeur-pompier te secourir. Mais quand il a fallu que tu me soutiennes aussi, tu m'as plutôt lynché. Tu m'as insulté parce que je parle avec le président Amoutu. Le président Amoutu, c'est mon frère. Il ne m'a jamais cherché les problèmes. C'est moi qui allais chercher ces problèmes. Parce que je le faisais au nom de certaines personnes. Je ne regrette pas parce qu'on ne m'avait pas envoyé. Mais aujourd'hui, tu vois, c'est ta soeur qui nous dit que tu es tribaliste. Quel est Galafis? Ce n'est pas nouveau. C'est que les babéliques des réseaux sociaux manquent de personnalité. Ils manquent de fierté. On nous a élevés avec des éloges. C'est ça que moi j'aime l'homme étant. L'homme étant est fier. Le vrai étant. L'homme étant est fier. L'homme étant. Même si moi je suis fier, on ne vient pas manquer. Ne tente pas de manquer le respect des gars. Il va te mettre à ta place. On disait que je me rappelle quand on chantait être bami est un grand péché. Être bami, c'est un grand péché. C'était un peu une injure qu'on disait Bamleke. C'est que les Bamleke ont grandi avec ça. Et ils recherchaient beaucoup d'amour auprès des autres. Ils recherchaient beaucoup de reconnaissance. Ils recherchaient beaucoup d'affection. Le Bamleke ne s'affirmait pas parce que le Bamleke avait honte. Parfois, quand tu allais à l'école, on dit que oh, voilà un Bamleke là-bas, c'est comme une injure. Le Bamleke se sentait un peu rejeté. Ma prochaine, c'est que je suis assise comment? Ok. L'homme étant n'est pas comme ça. C'est la différence avec les côtiers. Pas c'est pas étant. Les côtiers en général, ils sont fiers. Les gens que l'on appelle les quoi? Ils ont une fierté en eux que ça n'a plus de nom. Ils ont une fierté en eux que ça n'a plus de nom. C'est ça qui nous manque. Vous aimez trop les éloges. Tous ces gens-là, personne n'aime Mami Bouma. Je dis sans exception, personne. Chacun est là pour ses intérêts. Dans les réseaux sociaux aussi, personne n'aime personne. Je dis que personne n'aime personne dans les réseaux sociaux. Il n'y a que nos followers, ceux qui nous follow. Non, mais l'olomania, il n'y a que mes l'olomania qui m'aiment. Mais l'olomania, là, mes followers sont tels qui m'aiment. Mais celles qui font les directs, là, il n'y a personne qui n'aime personne. Chacun vient avec son intérêt. Chacun, c'est que, elles ont compris, je dis qu'il y a les blogueuses que quand tu t'alignes derrière, que tu as beaucoup d'avantages. Elles s'alignent pour avoir, pour tirer un profit derrière. Tous sont pareils. Je ne suis plus, je ne me rallie plus à personne. Je suis une place. Je suis Tata Lolo qui fait mes émissions. J'ai mes alliés, j'ai mes frères, j'ai mes blogueurs avec qui je m'entends. Dorcas, la reine, mes bio, le pasteur. Je ne sais même pas le pasteur, je peux passer comme mon frère. Et puis tous ces gens-là. En dehors de ces gens-là, j'ai mes lolomania. Mes frères m'appliquent. Vous êtes partout comme les fourmis dans les réseaux sociaux. C'est la rage de l'argent de quoi? C'est là de quoi vous suivez dans les réseaux sociaux? C'est quoi? C'est l'argent de quoi?
où vous êtes incapable d'encourager vos soeurs. Tu as partagé mon émission. Tu as partagé mon émission un jour. Tu as partagé mon émission un jour. Tu sais, moi, je n'ai pas pour faire une émission. Petite fille de ma grand-mère. Imagine un peu. Ma grand-mère n'avait pas les petits filles, elle avait les petits-fils. Je suis venu, on m'appelait Laure. La première petite fille, je suis une fille qui a dit, oh, j'étais dans l'hôtel, vous n'est même plus bon. Regarde, toi, Mano Sabi, je donne ton nom. Si le jazz que Grande n'a pas, si le jazz que Ekios n'a pas, si le jazz que Vision 4 n'a pas, une seule blogueuse camerounaise qui arrive à avoir cette audience, tu m'as aidé un jour à partager les belles lives, t'es appliqué là sur moi. Hein. Il faut arrêter la sagesse là. Je n'ai pas grandi à l'ouest, hein. J'ai grandi au sud. Bon, la famille, vous-même, vous avez écouté comme moi le Lolo Fodja qui règle ses comptes actuellement avec Jean-Luc Messin et Compressor. Elle dit que ce qui a créé ce passé là, c'est bon à elle jusqu'à. Que n'est-ce pas, là, mais ça a été venu l'insulter que oh, il défendait Compressor. Que voilà ça aujourd'hui, que voilà sa propre soeur qui lui met, qui lui laisse au carrefour. Qu'elle lui a tapé sec pour ça, non. Compressor a tapé sec à part Messin. Qu'elle laisse le nom de Marco. Et maintenant, Lolo Fodja se réjouit de ça. Que actuellement, maman, le spectacle qui a créé ce passé là, c'est mauvais, c'est pas bon, hein? Oui. Et Lolo Fodja maintenant se sert de ça pour manipuler et pour accuser Fleur Delis. Et après, elle s'est rachetée pour dire que non, cette affaire réellement, que l'argent, quand on dit que l'argent divise les personnes, l'argent divise les familles. Lolo Fodja peut parler, dire que c'est à cause de l'argent que Compressor a trahi Parmesan. Parce qu'il faut rappeler que sa boss a les moyens et Parmesan ne peut pas lui donner ses moyens. Parce qu'il faut se rappeler un temps que sa boss a dit que oh, Compressor venait hacker les mamies chez toi. Ça signifie que c'est ce que Parmesan avait dit à sa boss. Elle lançait juste les pics. Donc depuis là, elle est dans son couloir comme ça. Elle attend juste que la riposte. Voilà donc que Lolo Fodja veut mettre tout. Voilà donc que Lolo Fodja veut mettre tout ça dans la tête de Flo. Pourtant, cette affaire ne concerne pas Flo. Pour ce côté, Flo Delis aussi observe aussi à distance, à Caïman. Flo Delis aussi regarde aussi seulement que la scène que Rabat. Cette affaire ici même, ça va arriver où? Oui, parce qu'il faut se rappeler que la grue tabou ça lève d'eau. Et Compressor aussi, ceux qui vont me dire que oh, peut-être Compressor a choisi l'argent, c'est soit Parmesan a parlé des choses au nom de Compressor, parce qu'on ne peut pas me dire l'affaire c'est comme ça. Soit Parmesan, quand il s'entendait très bien avec la Glutabos, il a fait le socle au nom des femmes là, au nom peut-être de Flore, au nom peut-être de Compressor, peut-être par rapport à la réconciliation de Flore, parce que lors de la réconciliation de Flore, la Gluta était toujours en bon terme avec Parmesan. C'est sûr qu'il a eu à dire que oh, moi je ne suis pas fier ou par rapport entre peut-être elle entrer dans l'intimité peut-être de Compressor, peut-être étirer. Oui, parce que là où parle de ça, apparemment le aussi, il choque beaucoup. Et Lolo Fodja, c'est bon là, elle s'assure là, elle sait qui est en train de se passer là, oui. Parce que la scène qu'on est en train de nous livrer là, oui. Parce que le spectacle qu'on nous livre actuellement là, c'est bon. Pangoum est fier. Lolo Fodja est fier. Nadège Papa est fier. Renne Bio est fier. Virulidia est fier. Donc, toutes ces personnes-là sont fiers. Donc, comme ça, entre eux, ça a cuit. Donc, Lolo Fodja, maintenant, aussi profite et règle ses comptes. Et elle dit carrément qu'elle ne regrette pas ce qu'elle a eu à faire à Jaguar Amour. Pourquoi? Parce que c'était de bonnes choses. Mais que, pour peu qu'elle et Compressor ne s'entendaient pas, Parmesan est venu dire qu'il soutient sa propre soeur. Elle dit que voilà donc ta propre soeur que t'as laissé au carrefour. À cause de Lolo Fodja, elle parle, dit que Compressor a trahi Parmesan à cause de l'argent. Le Tambos a mis l'argent devant. Compressor a trahi Parmesan. C'est ce que Lolo Fodja est en train de dire. Oui, que Compressor a trahi Parmesan à cause de l'argent. Pourquoi? Parce que si la Le Tambos n'était pas à l'intérieur, ça signifie qu'il devait toujours être en bon terme. En tout cas, la famille, vous-même, vous avez écouté comme moi ce que Lolo Fodja a dit. Merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu es nouveau, abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Merci.